Le jardin du Ménil est né de la convergence de trois passions. Une passion pour l'endroit, une passion commune pour le monde végétal et une passion également pour les différentes composantes de ce même monde végétal. Nous sommes arrivés ici il y a 33 ans et c'était vraiment un endroit inhospitalier. Et comme nous attendions notre second enfant et que la première marchait, en fait on voulait que... quitte à habiter à la campagne, autant que les enfants puissent jouer dehors. Et là, c'était franchement impossible, c'était vraiment plein de ronces et d'orties, il y avait des bâtiments, c'était dangereux. Donc au début, on a voulu faire seulement un petit coin de jardin, et le restant aurait été un verger où on aurait mis des moutons. Bon, inutile de vous dire que ça a très vite dérapé. On a fait notre petit coin de jardin autour de la maison, et comme nous faisions beaucoup de séjours en Angleterre, de par mon métier et de par nos centres d'intérêt, eh bien, je crois qu'on a été rattrapés par le virus de faire un bel endroit. Et on a commencé à aimer certaines espèces, on a commencé à en introduire et puis le reste, eh bien, c'est viral. J'avoue que j'ai beaucoup de chance de travailler ici car c'est un cadre vraiment préservé et très, très joli. Il n'y a pas seulement aussi la structure du jardin, ni les odeurs, ni les couleurs, mais il y a aussi les animaux, c'est-à-dire les écureuils qui sont très nombreux, les oiseaux. Alors, comment se fait l'entretien ? D'abord, il est quand même très pointu dans la mesure où on est très à cheval sur les volumes. Donc, il y a un entretien de taille particulièrement important, de transparence aussi dans les arbres pour laisser rentrer la lumière, parce que sinon ça devient une jungle et on n'a rien en dessous. Mon travail consiste à faire les tontes, à faire les tailles, à désherber, enlever toutes les mauvaises herbes qui poussent tous les jours et donner une harmonie à tout ce petit univers. Toute la structure étagée vient de la taille, donc il y a un travail de taille très important. Le jardin présente différentes zones qui correspondent historiquement aux différentes étapes de création du jardin. La plus ancienne remonte aux années 80 et depuis 6 ou 7 ans, nous aménageons maintenant une dizaine d'hectares, mais sous forme de parc arboretum, dans lequel nous mettons des arbres provenant de quasiment l'intégralité du monde tempéré, essentiellement de l'hémisphère nord. Les produits phytosanitaires, c'est complètement banni du jardin. Quand je fais une plantation délicate, je mets un petit peu de gravier, un petit peu de terreau de feuilles, on fait notre compost, on fait notre broyage, on fait tout. Donc ça demande là aussi un très très gros entretien. Par exemple, le chemin, comme il y a la terrasse du salon de thé sur le chemin, je ne veux pas qu'il y ait d'herbe, c'est désherbé au sel et au vinaigre, avec une décoction de sel et de vinaigre, et ça marche très bien. Il faut le savoir, ça marche très bien. Ça remplace tous les produits phytosanitaires qu'on peut trouver sur le marché. Pour l'entretien des massifs, c'est le rotophylle. Ça, c'est le jardinier qui est vraiment très, très méticuleux et qui n'abîme rien au rotophylle. C'est un véritable tour de magie. Et puis, bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle le sécateur et les mains pour arracher les mauvaises herbes, les brouettes. Et voilà. Alors, les saisons sont toutes belles au jardin du Ménil. Le mois de mai est assez exceptionnel de par la profusion des différentes couleurs, les rhododendrons, les azalées, les feuilles de débourrement des érables japonais et bien d'autres encore. Une deuxième période qui est une période d'été dans laquelle le monde des hydrangeas se réveille et part le jardin de couleurs
tirant beaucoup sur les bleus, les mauves, mais qui sont très complémentaires et très, très diversifiés. Et nous avons une troisième phase, bien évidemment, qui est le feu de l'automne, avec les feuillages des érables, des nissas, des liquidambars, des cornus, et qui embrasent en fait le site pendant 3 semaines à 1 mois en fin de saison. Les gens trouvent facilement un créneau d'ouverture. Officiellement, le jardin est ouvert vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 18h, du 1er mai au 1er novembre inclus. Bonjour Laetitia. Bonjour Stéphanie. Laetitia, qu'est-ce qu'on trouve ici dans cette serre tropicale ? Alors dans la serre tropicale, on va trouver, déjà on le voit derrière nous, beaucoup de plantes tropicales, donc soit des palmiers, des cocotiers, des oiseaux du paradis, et évidemment beaucoup d'animaux. Donc on a par exemple les petites mangoustenaines juste à nos pieds. On a également des chauves-souris géantes, chauves-souris qui vont pouvoir faire jusqu'à 1,20 m d'envergure, donc très grandes chauves-souris, crocodiles, alligators, petits singes, petits perroquets arc-en-ciel par exemple, des grenouilles, des faces, des poissons, un petit peu de tout. Il y a des animaux qui sont en liberté et d'autres en semi-liberté et d'autres pas du tout. Effectivement, évidemment, crocodiles, alligators ne sont pas du tout en liberté, vous en doutez. Ils sont derrière des vitres, chacun dans leur enclos, hein, évidemment. Mais on va avoir des enclos qu'on va pouvoir traverser. Donc, c'est le cas, par exemple, de la volière où on va trouver les ibis rouges ou alors de la volière des loriquets. Mais en plus, dans la grande serre, donc en dehors de ces deux petites volières, dans la grande serre, on a des oiseaux en liberté un petit peu partout, comme les pigeons couronnés, le plus grand pigeon du monde, ou encore on a des aigrettes, des pigeons de Nicobar, on a aussi des touracos, on a pas mal d'oiseaux en liberté. Parlez-moi des loriquets, ces jolis oiseaux arc-en-ciel. Ah, ils sont très beaux, hein, ces petits loriquets. Donc ces petits loriquets, ce sont des oiseaux qui sont originaires d'Australie et on propose à nos visiteurs tous les jours de les nourrir 2 fois par jour. On donne rendez-vous à nos visiteurs à 11h15 et à 16h. On leur fournit une petite coupelle avec du nectar de fleurs, et ce qui permet à chacun des visiteurs de pouvoir donner à manger aux loriquets. Alors le petit moment sympa, c'est que les loriquets viennent se poser sur vous en fait pour avoir accès au nectar. Voilà, c'est un vrai succès pour les visiteurs, pour les petits et pour les grands. Ah oui, c'est pour les petits-enfants et les grands-enfants aussi, ça marche pour tout le monde, effectivement. Et ces loriquets, alors, ils viennent d'où en général, ces oiseaux ? Alors, ces oiseaux, ces loriquets, on va les trouver en Océanie, donc Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, hein, toute cette partie-là. Donc ça, c'est pour les oiseaux qu'on va trouver dans la nature. Évidemment, ceux qui sont chez nous n'ont pas été prélevés dans la nature. Hein. Tous les animaux que vous voyez ici à Biotropica viennent tous d'autres parcs zoologiques. On va faire des échanges avec d'autres parcs, donc on peut avoir des animaux qui vont venir, comme les petits suricates par exemple. On en a, les mâles viennent de Suède et les femelles, elles, viennent de France. Donc on va créer des groupes comme ça en prenant des animaux un petit peu partout en Europe. Il y a aussi des mammifères à l'intérieur de la serre et je pense particulièrement aux petits singes moustachus. Effectivement, on a des petits tamarins empereurs qui se baladent un petit peu dans la serre, qui sont très très sympas, très mignons et qui plaisent énormément aux visiteurs également. Alors j'imagine que les alligators font un vrai succès auprès du public. Alors les alligators vont plaire surtout aux enfants, c'est vrai que les enfants aiment beaucoup les crocodiles, les alligators. Ce sont des animaux qui sont très placides, hein, qui ne bougent pas beaucoup, on a toujours l'impression qu'ils sont en train de dormir, mais il faut comme le dit l'adage, hein, il faut se méfier de l'eau qui dort, dans le sens où ce sont des animaux qui vont être très territoriaux. Donc si jamais on rentrait dans leur enclos, eh bien, le risque, ce serait qu'ils nous attaquent, parce que justement, on rentre chez eux sans prévenir, ils ne seraient pas tellement d'accord. À l'intérieur de la serre, il y a aussi toute une équipe de soigneurs animaliers qui s'occupent de tous ces animaux. Effectivement, alors à Biotropica, en tout, on va être 25 à travailler toute l'année à Biotropica. On augmente en saison le nombre d'animateurs pour faire tous les goûters des animaux, puisque chaque jour, c'est une quinzaine de goûters des animaux qu'on va proposer à nos visiteurs. On propose également des visites guidées sur réservation, des ateliers pour les enfants, pour les groupes d'enfants, les groupes scolaires ou les groupes de centres de loisirs. On va avoir également des gens au niveau du restaurant, au niveau de l'accueil, de la boutique. Après, vraiment au service, entre guillemets, des animaux, on va avoir un vétérinaire et on a 5 de nos soigneurs qui travaillent sur l'intérieur et l'extérieur pour s'occuper de tous nos pensionnaires. Donc
On a à peu près 1200-1300 animaux de 120 espèces différentes. Biotropica, est-ce que c'est ouvert toute l'année ? On est ouvert toute l'année, on est fermé juste deux jours dans l'année, deux tout petits jours, le jour de Noël et le jour du premier de l'an, parce que ça nous paraissait important d'être ouvert toute l'année, dans le sens où on a cette belle serre qui fait 6000 m2, où il fait 25 degrés toute l'année, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, en hiver, quand il fait froid dehors, on peut venir à Biotropica, dans la chaleur des tropiques, et avoir l'impression de parcourir, d'être parti à l'autre bout du monde, alors qu'en fait, on est toujours en Normandie. Et oui, c'est vrai, c'est fantastique. Ben, merci beaucoup, Laetitia. De rien. Merci à vous. Je vous retrouve en compagnie de François Huyghe, le directeur vétérinaire de Biotropica. Bonjour François. Bonjour. François, depuis combien de temps existe Biotropica ? Biotropica va fêter cette année ses 4 ans, ouvert en septembre 2012. Donc on attaque notre quatrième saison annuelle, on va dire. Toujours avec beaucoup d'énergie et d'ambition. La vocation de Biotropica, c'est de présenter au public différentes espèces, mais également de préserver la biodiversité. Bien sûr, la plupart des espèces que nous élevons sont menacées dans la nature, ou quand elles ne sont pas menacées, ont un intérêt, on va dire, pédagogique pour expliquer soit la diversité, soit la fragilité des milieux, soit le mimétisme, etc. Donc, soit des animaux à valeur pédagogique forte, soit des animaux effectivement en voie de disparition et dont l'élevage en captivité est nécessaire pour assurer leur pérennité. Combien d'espèces sont présentées ? Actuellement, on doit tourner entre 120 et 130 espèces pour un total de 1200-1300 animaux. Hein, quand on compte tous les poissons, quelques insectes, etc., les chiffres s'envolent rapidement. Ouais. Est-ce qu'il y a des animaux stars pour le public ? Cette année, je ne peux pas ne pas vous parler des animaux africains, donc les suricates qui sont super connus et vachement sympas, les fennecs et bien sûr les crocodiles, alligators, chauves-souris, paresseux. J'ai découvert à quel point le paresseux était connu et apprécié des visiteurs. Et d'ailleurs, vous êtes très fier, cette année il y a eu un bébé paresseux. Super fier, on est super fier d'avoir vu naître le premier bébé paresseux français au moins de ces 30 dernières années. Et actuellement, on a un couple de calaos, ces grands oiseaux africains dont le mâle enferme la femelle le temps qu'elle travaille à pondre ses œufs, les couver, élever les bébés. On est très très heureux aussi. Ouais. Il y a aussi d'autres nouveautés, je pense par exemple aux bouches australiens. Alors, bouche australien, effectivement, des nouvelles espèces qui sont arrivées cet hiver. Donc là, cette année, un gros coup de neuf dans cette zone australienne, l'arrivée de nouvelles espèces de kangourous, l'arrivée des émeus, et toujours ce contact un peu privilégié puisque nos visiteurs traversent l'enclos des wallabies. Donc un contact assez proche, on va dire, hein, sans chercher à faire forcément des gros câlins. Il y a quand même une proximité qu'on aime développer dès lors que les animaux ne sont pas ni dangereux ni indisposés par la présence des visiteurs. On arrive à créer quand même des expériences d'immersion qui sont vraiment, vraiment fabuleuses pour les visiteurs. Comme vous en parliez, la sécurité, c'est quelque chose qui est primordial ici sur le site. Oui. Mais forcément, il y a la réglementation d'abord qui nous autorise à certaines choses, qui en interdit d'autres. Et puis, il y a l'ensemble des procédures dans un parc zoologique qui font que, malgré la présence d'animaux dangereux, type crocodile, guépard, éventuellement les grands kangourous, la visite est familiale et sans danger, c'est notre priorité évidemment. Ouais. Et oui, c'est très appréciable. Mais merci à vous. Je vous en prie.